les amis, c'est Valmore 333. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Cyberpunk 2077, comme on dirait en anglais. La dernière fois, on s'était quitté, on venait de terminer une mission pour le gars qui avait la voix de... qui avait la voix de Lambert de Splinter Cell. Je cherchais le mont. Donc, aujourd'hui, on va continuer un petit peu ces petites missions. Qu'est-ce qu'on a comme petite mission? Alors déjà, vous remarquerez, les amis, j'ai changé de configuration entre-temps. Le Ray Tracing est activé, le DLSS également en automatique. Normalement, je devrais pas forcément avoir besoin du DLSS, mais si ça peut améliorer quelques petites choses, pourquoi pas. Le framerate fait plaisir aux mirettes. Donc, on va pouvoir reprendre ça correctement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par... Qu'est-ce qu'on a comme petite mission annexe? Aller se battre. On s'est toujours pas battu, hein. On n'en a fait aucun, je crois, pour l'instant. Le champion d'Arroyo est un enculé de première. Kabuki. Parce qu'ils mettent moyen, mais mon personnage, étant donné que je n'ai pas d'implant, il n'est pas forcément le meilleur pour mettre des patates. Il faudrait qu'on se mette des implants avant de pouvoir envisager ce genre de choses. C'est un sacré nom, je sais pas pourquoi, mais une musique de cirque flippante me trotte dans la tête quand je l'entends. Un docteur de Lyon, gnagnagna. Notre boulot en attendant de pouvoir appeler Nancy. On va faire cette mission-là parce qu'elle est vraiment cool. Elle est un petit peu longue, mais elle est sympa. Et après, on continuera la campagne, éventuellement. Ah, on n'a pas à se prendre la tête comme dans GTA, à se dire que c'est des musiques pas libres de droit. Parce que eux, ils ont fait un mode streamer. On y va en moto. On profite un peu du DLSS et du ray tracing. Bon, si on a un accident, on va vite le sentir passer. Oula. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les virages en moto sont toujours aussi abusés. Sortir. Oh là. Les musiques sont cool en plus, donc on profite un peu d'une petite visite de la ville. Il n'y a pas de code de la route, bien sûr. Dans le futur, il n'y a plus de code de la route. Déjà qu'il n'y a quasiment plus de police. Dans le jeu, la police est relayée au rang de... Oui, qu'est-ce qui se passe? Arasaka, tu me remets? Salut. Ah, c'est un de mes anciens collègues. Écoute le message en entier, s'il te plaît. Abernathy purge le département. Tous ceux qui ne sont pas 100% avec elle, ils dégagent. Je suis sur sa liste, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, tu sais comment ça marche. Pas de prisonnier, pas de licenciement. Mais bon, je vais pas rester les bras croisés à attendre de me faire buter. Là, je suis en train de monter un dossier. Je vais foutre sa vie en l'air. J'ai réuni tous les documents dans une planque. Si je n'ai pas le temps de m'en servir, tu recevras ce message et les coordonnées. Je sais que tu sauras quoi en faire. Ça marche. Ok. Je pense que c'est... J'arrive. Ça, c'est les missions comme il y a aussi quand on est nomade. Il y a une mission qui nous permet de récupérer notre voiture. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, c'est parce que moi, je faisais partie de...
Je bossais pour les corpos. Il y a des rumeurs hein, qui circulent, les amis, comme quoi une grosse mise à jour serait en préparation, qui rajouterait un jeu comme le Gwent, par exemple, dans The Witcher 3, qui ajouterait une nouvelle extension à Pacifica, notamment. J'ai hâte de voir ça, on aura l'occasion de découvrir ça ensemble. Ça me fait plaisir de vous revoir. Bonjour. Il s'est passé un truc ? Venez, Jeff va tout vous expliquer. Je te suis. Il a presque fini de se préparer pour le débat. J'ai déplacé tous ces rendez-vous de la journée à l'extérieur du bureau. Par bureau, je veux dire ici. Personne ne nous dérangera. Mike, nous dérangera en train de faire quoi exactement ? Je vais pas faire marche arrière juste parce que Nycorp va. Non, je vais pas leur lécher les boules, tout ça pour qu'ils puissent m'entuber après. Bon, écoute, je dois y aller. Tu fais les corrections et on en parlera plus tard. Je m'assois. V. Content que vous ayez pu venir. Jefferson. Asseyez-vous. Je vous explique pourquoi je vous ai fait venir. Hop. Nous avons été victimes d'un cambriolage un peu particulier. Comment ça, particulier ? Il y a quelques jours, j'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit. J'ai pris mon pistolet et je suis sorti de la chambre. Un pistolet, bien sûr. J'ai vu un inconnu. Les politiciens ont tous des pistolets, après tout. Je lui ai tiré dessus. Vous l'avez eu ? Aucune idée. Ma tête s'est mise à tourner et je me suis évanoui. Il n'y avait aucune trace de lui le lendemain matin. Je veux que vous le retrouviez. Je veux savoir ce qu'il voulait. Pourquoi moi, du coup ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous préférez pas que la police s'en charge ? Je préfère faire appel à quelqu'un de confiance. Ça me va droit au cœur. La mort de l'ancien maire. C'est vous qui avez élucidé ce mystère. Je suis certain que vous arriverez à résoudre celui-là aussi. Vous avez prévenu la police ? Est-ce que vous avez prévenu la police ? On veut éviter que l'affaire s'ébruite et que ça attire l'attention. Vous savez, beaucoup au NCPD aiment se faire un peu d'argent sur le côté. Si on déclarait un cambriolage, c'est sûr que les médias nous tomberaient dessus comme des mouches. Pas de flic, ça marche. Bien sûr, nous avons ça peut se comprendre. SSI de l'incident, c'est notre service de sécurité. Pourquoi avez-vous engagé une boîte de sécurité aussi petite ? Oui, pourquoi pas, on peut poser si la question. Plutôt une petite boîte. Pourquoi vous faites pas appel à Arasaka ou Militech ? C'est ce qu'on nous a conseillé. Et l'avantage, c'est qu'on ne dépend pas d'une méga corporation. Ouais, mais vous allez vous rendre compte, les amis, à la suite de cette mission, qu'il se passe des choses. Je connais déjà un peu cette mission. Les SSI, ils ont dit quoi ? Vous pouvez me décrire l'intrus ? Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que vous avez repris ? Est-ce que vous êtes évanoui ? Exact. Juste après avoir tiré. Et ensuite ? Ça sent le piratage, ça. Rien. Je me suis réveillé dans mon lit le lendemain matin avec une migraine atroce. Et vous savez plus comment vous avez atterri là ? Non. Aucune idée. Elisabeth ne sait pas non plus. Vous pouvez me décrire l'intrus ? Cet intrus, il ressemblait à quoi ? Je ne me rappelle pas grand-chose. Il faisait noir. Il portait un genre de masque. Ou peut-être un implant. Je ne l'ai pas très bien vu. Elisabeth, elle l'a pas vu non plus ? Je dormais à point fermé. La période des élections est toujours éreintante. Ça peut se comprendre. Et SSI, ils en disent quoi ? Qu'est-ce que le service de sécurité a dit de tout ça ? C'est là que ça devient quelque peu étrange. Ils affirment qu'il n'y a pas de traces d'effraction ni de coup de feu. Les caméras de surveillance n'ont rien enregistré. Le garde à l'extérieur n'a rien vu, rien entendu. Ils nous ont dit que Jeff avait dû faire un cauchemar. Pratique comme réponse. Oui. Lise a congédié les gardes aujourd'hui pour que je puisse vous faire venir. C'était une belle initiative. Je vais aller fouiller un peu. L'intrus a pris quelque chose ou cassé quelque chose ? Non. Tout est là. Et je n'ai rien remarqué de cassé. Jeff a dû réussir à lui faire peur avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ce service de sécurité, SSI, c'est qui ? Ils sont sur le marché depuis 15 ans. Ils ont des clients dans toute la ville. Si ma mémoire est bonne, ils nous ont été recommandés par une connaissance. Est-ce que vous envisagez qu'ils pourraient être derrière tout ça ? C'est plus que envisageable.
Soit eux, soit quelqu'un planqué derrière eux. Une idée de qui pourrait vous en vouloir ? Weldon Holt. Il a tué l'ancien maire, après tout. C'est vrai. Et d'après les sondages, il est derrière Jeff. Mais en vérité, ça pourrait être n'importe qui. Jeff a beaucoup d'ennemis, souvent puissants. On pourrait passer la journée à les énumérer. Je vois. C'est pour ça que je fais appel à vous, V. Je veux que vous découvriez le fin mot de l'histoire. Tu vas peut-être pas aimer ce que je vais découvrir. Il y a autre chose que vous voulez me dire ? Ou que je devrais savoir ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Liz ? Je ne vois rien d'autre. Je doute qu'on apprenne quoi que ce soit, de toute façon. Chérie, s'il te plaît, je suis sûr que V va découvrir ce qui se passe. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'instant ? Je vais regarder. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à l'appartement ? Bien sûr, Liz va vous faire visiter. J'ai une réunion, je dois filer. Appelez-moi si vous apprenez quoi que ce soit. Je veux ton costume, hein, par contre. Ça sera mon paiement pour cette mission. Allez, go. Venez, je vais vous faire faire le tour. Je te suis. Je vous suis. Commençons par l'endroit où Jeff a vu notre invité surprise. Alors, attends. Je dois avouer que parfois... j'en ai marre de tout ça. La politique ? Jusqu'ici, nous avons réussi à décliner toutes les offres. Cet appart, putain ! Nagor, Biotechnica, Arasaka. Jusqu'ici, hein. Si Jeff arrive à se faire élire sans contracter de dette envers qui que ce soit, ce sera ça, la vraie victoire. Le bureau de Jeff, il sert à la fois de salle de commandement, d'entrepôt et de débarras. Alors attends, laisse-moi du coup regarder un petit peu. Ça. C'est l'ordinateur personnel de Jeff. Je doute que vous trouviez dessus quelque chose concernant l'intrusion. On va regarder quand même. Il fait plus jeune sur la vidéo, hein. Nouvelle campagne publicitaire. Gna. Ouais. Il fait ce qu'il veut, hein. S'il veut m'engager. On va fermer ça. Avian Extermination Act. Je vous laisse lire. Hop. De la bouffe pas chère. La bouffe à emporter ? Vous devez faire de sacrés heures sup tous les deux. Avec les oh, le flingue sur la... expédions les repas. Nous n'avons pas le temps de nous préoccuper de ça. Mais vous avez raison. Jeff ne mange que ça ces temps-ci. Dans le futur, les grands écrans comme ça sont à 30 FPS, à peine. Votez Perales. Donc la bouffe pas chère, on est bon. T'as l'écran. Et les écrans sont buggés aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est encore des plats à emporter ? On continue la visite ? Bah, j'arrive pas à lui. Ah, c'est là. Ok. Votez Perales. Nous payons tout le personnel et finançons la campagne de notre poche. Oh là là, cette photo ! De campagne ici. Ça nous coûte moins cher. C'est le flingue avec lequel il a tiré sur l'intrus. Tu viens ? Ou pas ? Bon, je vous laisse regarder. Hop. N'hésitez pas à mettre pause pour en voir un peu plus. Ok. Pourquoi il a finalement ne pas... Léa Patel. Elle viendrait pas des Sims 4, elle ? Oh, les diplômes !
Asukaga Law School, donc une école de droit. Allez, ils ont tous les deux juris doctor. Ils ont tous les deux un doctorat. Et j'ai le droit de... Faculté de droit d'Asukaga Berkeley. La classe. Jeff et vous êtes diplômés de la même école? Ça a dû vous coûter la peau du cul. Nous avons été chanceux. Toutes nos études ont été financées par la Fondation Knight. Une œuvre de charité fondée par la veuve de Richard Knight. Ils ont aidé beaucoup d'enfants défavorisés qui avaient de l'ambition. Vous êtes plus trop défavorisés en l'occurrence, hein. Ça vous embête si je check un petit coup d'œil dans votre chambre? Alors pourquoi il y a des objets... On va savoir hein, pourquoi il y a des objets planqués derrière cet écran après. Vous inquiétez pas, du verre intelligent. Voici notre chambre. Moi, c'est votre écran plasma là qui m'intrigue. Il est trop buggé. Vous avez rien remarqué de différent après l'effraction? Non, je ne crois pas. À quoi est-ce que vous pensez? Jeff a dit qu'il s'était évanoui. Il n'y avait rien d'anormal. Ah, la chambre avec la vue sur la ville. De leur positionnement, aucun signe. Comme si on l'avait traîné jusqu'au lit, vous voulez dire? Non, je n'ai rien remarqué. Ça vous embête si je regarde? Je vous en prie. Merci, elle est cool, franchement. Quoi? Où ça? L'alarme? Ah, c'est l'arme, d'accord. Un crasheur. Il est à Jeff? Il est beau. C'est le mien, en fait. Mais oui, c'est celui que Jeff a utilisé cette nuit-là. Vous êtes aussi armé. Un Omaha de chez Militech. Ça marche. J'aime beaucoup ce pistolet. Le seul petit problème, c'est qu'on peut pas y mettre de silencieux, madame. Sachez-le. Votre photo de mariage? Intéressant, ce fond. Je voulais des roses bleues. Alors on en a commandé tout un camion. Des roses bleues? Vous êtes sûr? Sur la photo, elles sont plutôt rouges. Mmh. Bien sûr, vous avez raison. Ils n'avaient pas de rose bleue, j'avais oublié. C'est louche! Évidemment, ils en font exprès pour que ça paraisse plus louche. Par contre, les photos, aujourd'hui, on fait des photos plus jolies que ça. Des belles roses rouges. Qu'on a des choses intéressantes dans cette bibliothèque que nenni. Oh la salle de bain. C'est la grande classe. On se regarde. Est-ce que ça fait toujours autant bugger mon PC? Non, plus maintenant, ça va. On peut même se permettre de faire un petit sourire. Voilà. À la fin de la dernière vidéo, j'avais dit qu'il fallait qu'on aille s'acheter des vêtements, mais dans les boutiques que j'ai été visiter en off, rien. Mais alors, rien de rien. Rien d'intéressant, en tout cas. Par contre, le gros appareil au-dessus de votre lit, moi, je ne serais pas rassuré avec ça. Ça doit niquer les yeux un peu, en plus. Bon. Passons à la suite. Il devrait y avoir une pièce ici, on est d'accord, étant donné qu'on nous a montré des choses derrière le verre intelligent. On en saura plus après. C'est pour retourner dessus. Pour l'instant, on va continuer sur cet étage. Qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de sang. Ça a été mal nettoyé. Il vient d'où, ce sang? C'est le vôtre? Je peux vous assurer qu'il n'est pas à nous. C'est peut-être celui de notre intrus. Sûrement. Peut-être. Il y en a aussi résidus chimiques.
il est cassé? Il marchait encore il y a quelques jours, mais on ne l'utilise pas souvent. Ouais, Johnny? Je peux pas le réparer, j'ai pas assez de compétences, mais qu'est-ce que t'en penses, mon petit Johnny? Bon, Johnny n'avait rien à dire, visiblement. Haha. Vous connaissiez ça? Vous aviez connaissance de cette pièce? C'est pas vrai. Je pense qu'on peut mettre votre service de sécurité en haut de la liste des suspects. Ils pouvaient surveiller vos ébats. Ils violaient notre vie privée. Oui. Les sales connards. Sous notre propre toit. Eh ouais. Vous aviez jamais rien remarqué de louche ou d'inhabituel? Vous parlez. Surtout qu'aménager une pièce comme ça. Du fait qu'il nous épiait. Ou de cette pièce cachée, remplie de matériel d'espionnage, dans notre propre appartement. Donc vous aviez rien remarqué. Ok. Je me demande depuis combien de temps il vous cache ça. Trop longtemps. Mais c'est terminé. Je ne laisserai plus jamais ces malades entrer chez... Oh, ma tête! Y a un truc qui va pas? Ne vous en faites pas pour moi. Faites ce que vous avez à faire. Ça marche. Fouillons un petit peu. La restructuration des voies synaptiques. Nanana. Ok, donc ça serait ça qui subisse une restructuration. Ça peut avoir un avantage. Des médocs. L'intrus est venu direct ici après s'être fait tirer dessus. Alors, tu parles encore tout seul? De plus en plus. Depuis qu'un certain terroriste me colle au cul. T'as rien d'autre à dire? Mais ça peut avoir un avantage de lui faire une restructuration synaptique, dans le sens où il est quasiment certain, enfin, ça semble bien parti en tout cas, qu'il devienne maire. Ça permettra de contrôler le futur maire de Night City. Contrôler ses moindres faits et gestes, cible s'écarte des variations acceptables. Alpha commence à prendre des stimulants, sûrement à cause du stress provoqué par les événements récents. J'autorise donc l'amplification de l'atténuation neurale. L'objectif du chef de la sécurité Wallace, la cible Alpha fait appel à un mercenaire extérieur. Cela constitue un sérieux écart par rapport aux normes de conduite acceptables et remet en cause la stabilité générale d'Alpha. Je demande donc une maintenance d'urgence. D'accord. L'opération Condin. Cible Alpha a été approuvée. Une intervention sera menée conjointement avec l'équipe Orange. Mercenaire engagé par Alpha s'est présenté sur place. Les agents de terrain de niveau Orange ont pu éviter tout contact. L'équipe Orange indique que le mercenaire ne met pas en péril l'opération. Sauf maintenant. Produit durant les procédures de maintenance programmées. L'agent de terrain bleu a été grièvement blessé par la cible Alpha et évacué par les équipes Orange et Noir. Protocole de suspension de l'opération a été activé et seule l'équipe Orange doit rester sur place. Sur place, l'équipe noire poursuivra l'observation jusqu'à ce qu'on puisse reprendre l'opération normalement. Ce qui ne sera sûrement pas possible avant l'audit ou le rapport de l'équipe bleue. Il est encore sur place donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Drôle de matos. Il sert à quoi? Il est connecté aux écrans muraux. Je me demande bien où ils vont, ces câbles. Je sais pas. Je cherche s'il n'y a rien d'autre à piquer, vu qu'ils ont amené tout leur matériel. En tout cas, oui, ça semble aller par là. Allons-y. Il vient qu'à allumer une télé. La lune est magnifique ce soir.
bizarre. Cette tech est archaïque et pourtant... le matos est tout neuf. J'ai vu des trucs qui ressemblaient à ça pendant la guerre. Des émetteurs, ils étaient utilisés par Militech. Ça envoie par là-bas. UHF courte portée. Le signal se propage qu'en vue directe. Mais il est impossible à intercepter. En vue directe? Ok, si c'est ça, on n'a qu'à fouiller les environs. On va voir si on peut pas trouver de récepteur. Yep. Je vais continuer d'examiner un peu l'appartement. S'il n'y a pas des petites choses qui seraient passées inaperçues. Est-ce que je peux lui parler? Je peux pas lui dire ce que j'ai découvert? En tout cas, elle a l'air déprimée, la pauvre. Là, je pouvais monter. Il n'y a rien de particulier. Un héliport. Bel appart en tout cas. Rien de plus ici. Ah, il y a des petites choses là. Voilà ce chef de la sécurité. Apparemment, les employés de SSI savaient pour l'intrusion. Bah oui. Évidemment. La méthode MaxTac. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu de thunes? 9,55 BD. Hop là. Fichier supprimé, fichier supprimé. Ils ont tout supprimé. C'est leur bureau de sécurité, je pense. Ils avaient aménagé cette pièce exprès pour eux. Manuel du solo. Dangereuse connexion. Putain, il y en a beaucoup des choses à lire. Hein. N'hésitez pas à faire pause. Taste the love. Yo yo yo, les chumos, les narcos et les psylos, c'est Mr. Whitey. Laissez tomber les snacks de mon diète et courez jusqu'au supermarché le plus proche pour goûter notre nouvelle barre. Sweet, 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 let's be. Parce que la vie est trop courte pour être long. Les publicités du futur. Et on est revenu dans la pièce principale. Les chroniques de Tatiana, blablabla, blablabla. Bla bla. Magnifique piano, il n'y a pas de marque dessus. Un kawaii Shigeru. Bon, eh ben je pense que ça m'a l'air pas mal. On peut peut-être se permettre
de quitter les lieux. Pour aller trouver la source de cette fameuse transmission. Comment je change de d'objectif ? Attendez. Hop. On est parti. Oh, ces reflets ! Magnifique. C'est ici que ça se passe. Ah, ça s'ouvre, ok. Bah, attends. Allez. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Excuse-moi, monsieur. Oula. Merci.